Hein, Chantal qui sait mon char. C'est pas beau, ça. Ceux qui sont curieux de savoir c'est quoi l'armoire que j'utilise, la Meguiar Super Shine, Hot Shine. Il y a des petits brillants dedans qui reflètent avec le soleil. Ça fait un style de reflet débile, pour vrai, le bling bling. Et voilà. Fraîchement lavé. Fraîchement ciré, prête pour l'hiver. Pour les intéressés, la cire que j'utilise, c'est New Finish, meilleure cire au monde. Je vais pas montrer trop le lavage, puis toutes les séquences d'étapes pour le lacer, puis tout ça, parce que c'est quand même un processus qui est long. J'ai acheté mes tailleurs d'hiver, 4 tailleurs d'hiver à clous, c'est les G-Slaved. C'est un dérivé de la compagnie Continental, les pneus. Donc, ils sont classés 3 ou 4e meilleurs tailleurs à clous dans la charte de tout ça, là, des meilleurs tailleurs à clous au Québec, là, je pense. Là. Fait que c'est des bons pneus. Pas trop cher, c'est le fun, mais je me passerai pas de ça cette année parce que l'année passée, j'ai dérapé sur la glace noire sur l'autoroute. Puis je roulais pas vite, puis tout. Ça, c'est vraiment surprenant. Sais, quand tu commences, tu conduis, là, ça fait ça tout seul, là. Sans avertissement, là, c'est vraiment pas le fun. Fait que tailleur à clous sur le char cette année. Puis, vous savez que j'aime les lumières blanches, puis après mon char en avant, les lumières, c'est des chandelles. Fait que c'est jaunâtre un peu. Fait que je me suis pogné une place sur Internet. Ils ont des belles lumières d'ailes, des 6500K, donc c'est un blanc pur. Ils sont 10 000 lumens chacun. Ils sont garantis 5 ans. Fait que il y a 4 lumières, moi, en fait, en avant. Pour les lows, puis les highs sont comme séparés. Fait que je vais commencer par acheter les deux lumières pour les feux de croisement, dans le fond, là. Puis après ça, ben, j'achèterai les high beams, là, t'sais, plus tard. Checkez ça, ce que Mickey a reçu en finissant ses cadets ce soir. Son habit. Vraiment cool. Sérieusement, là. Mickey, je suis fier de toi pour vrai. C'est super. Pis, t'es-tu content, Mickey? Oui. T'es beau. Sérieux, hein? Super beau. Bon, là, c'est un essai de linge, là. Pas tout est. Tout est pas correct, là. Mais on va remédier à ça, là. Puis, comment tu te sens en tant qu'un vrai cadet avec un vrai uniforme? Putain, mes super tailleurs d'hiver. À clous. G-Slave Nordfrost. Neige, neige, jolie neige. Sans loin de Samantha. Ouais, belle pantoufle. Noël! Il y a de la belle neige blanche au Québec depuis hier soir, samedi. Là, on est dimanche matin. Il y a des beaux gros flocons sur le Québec. C'est super beau. Mais ça va tout fondre éventuellement. C'est trop tôt pour la saison hivernale. Fait que la saison moto est pas finie. Jack, t'as emmené des démons! Ouais, c'est mon perroquet. Prêt pour la journée d'Halloween? Jack, toi, t'es une petite démone. Tu portes bien ton costume. Toi aussi. On va s'éloigner, on va filmer comme faut. À l'école, moussaillon. Salut, Jack, je t'aime. Halloween, soldat. Yeah. On va se faire plein de bonbons, Alan. Ouais. Maintenant, on va.
Ouais, vous êtes beau. Mais il fait frais. Yeah, un clown. On passe l'Halloween, on est bien. C'est pluvieux un peu, mais c'est juste la bruine. Ça fait un bout que j'ai pas vlogué, sérieusement. Désolé tout le monde, j'ai été super occupé, sérieusement. Plein de petites choses qui s'est passées. C'est ça, ça fait partie de la vie. Je reviens chez Canadian Tire, je me suis acheté des Weber. J'ai vu les critiques sur Internet, tu sais, ça avait l'air bon, les Reflex Platinum. Fait que je vais aller poser ça, je vais peut-être vous emmener. Bon, je vais vous faire un petit gavant après. Bon, évidemment, ça rend pas justice aux caméras encore une fois, mais sinon, il y a plein de stries. Tu sais, c'est super bien, surtout le soir quand il pleut avec les phares des autres qui arrivent en avant de toi, ça aveugle complètement, puis c'est tout strié. Fait qu'on va remédier à ça. À date, les Reflex Platinum, ils ont l'air bons, sérieusement, comparé à ce que j'avais sur le char. Là. Pas de bruit, ils ont l'air à bien essuyer. Prennent la forme du windshield. Comme d'habitude, je vais faire une petite mise à jour là, dans une couple de semaines, là, voir si le produit est bon. Première lettre au Père Noël de Make-up. Bye bye lettre, on va la poster. Non, mais on va le tester, il est 3000, il est peut-être méga fort. Bon, je suis un timbre. Hey, on a amélioré l'enveloppe. Le Make-up est en train de faire un arbre de Noël. Fait qu'on va la coller à quelque part aussi. Wow! Pas mal bonne. Première aide en une semaine, en ce beau dimanche 4 novembre, je pense c'est le 4. Ça fait une semaine que j'ai pas raidé, puis là, c'est là que ça se passe aujourd'hui. Il fait à peu près 6 degrés, pas de vent, beau soleil, fait qu'on va en profiter certain. Bon, j'ai reçu mes lumières d'ailes pour la voiture. Ça va ressembler à ça. Je vais aller poser ça tout de suite, j'ai hâte de voir le résultat pour vrai, là, j'ai des lumières jaunes là, comme ma moto avait dans le temps. Fait que, dans le temps. Fait que je filme les pauses donc parce qu'aujourd'hui il pleut, pour faire un changement. Fait que je vais installer ça, je vais faire le avant après. Ici la Dell, ça c'est ma halogène d'origine après le Toyota. Cool, mes lumières d'auto à cette heure sont blancs, un beau blanc pur. Ça c'est le fun, comme ma moto. Ça fait plus classe, ça fait plus neuf, puis tout. Fait qu'on va voir mieux aussi en fin de compte. Là. Donc il était vraiment jaune mes lumières d'origine, là, comme ma moto avant, c'était vraiment laid. Fait que c'est super facile, c'est plug and play. Faut juste avoir le code, le numéro de lumière de ton véhicule. Là, tu peux trouver ça dans le manuel du fabricant dans le fond, là. Fait que super facile, plug and play, déplug, tu remets, tourne, puis c'est fait. Si mettons ça marche pas la première fois, une chose je me suis rendu compte, c'est qu'il y a une inversion de polarité. Fait que tout ce que tu as à faire, c'est une lumière qui marche pas, c'est que t'as plug de l'autre bord en fait. C'est aussi simple que ça. Il faut que je le mette de même parce que le pantalon fait trop grand. Mon chou, c'est pas mal beau. Bling bling, hein? Go mon petit chou. Oh,
Oh, le pro jongleur! Vas-y, Alan, capable. Yeah, quasiment. Vas-y, concentre-toi. Il y en a une que je lance de même. Mais faut que tu regardes tes balles ou tes mains. Allô? On est dedans. L'hiver au Québec est là. Aujourd'hui, on change ça pour ça. Hard Frost 200. Je suis allé porter mon char au garage pour installer mes 4 pneus d'hiver à clous. Fait que ça prend à peu près une heure. On est revenu ici, on est allé faire les commissions, faire une petite épicerie. Fait que on va repartir à peu près dans 20 minutes, une demi-heure pour aller chercher mon auto. Vraiment hâte de voir la différence sur les routes d'hiver parce que vraiment, je pense que ça fait la deuxième ou troisième bordée de neige qu'on a au Québec déjà. On est en route pour aller chercher ma voiture avec mes 4 pneus à clous flambant neuf. En fait, c'est nouveau pour moi, j'ai jamais eu ça de ma vie. J'ai jamais embarqué dans un char avec des pneus à clous, fait que je vais pouvoir vraiment faire une review pour les noobs, tu sais, parce que apparemment ça fait une grosse différence. On verra bien. Puis après avoir été chercher mon auto, toutes les pneus faits, posés, balancés, je veux aller faire le cadeau de Noël à Alan. Mais ça, on va en reparler un petit peu plus tard, après toutes les pneus, puis tout. Je vais vous montrer en plus les pneus sur l'auto, là. Fait que puis je vais vous faire une première impression, mettons, du retour jusqu'à chez nous. Oh, mon auto est prête, drette en avant en plus, puis je vois des petits dots dessus. Bon, je reviens à la maison vite vite parce que il est midi et demi. Alan est en maison. Allô. Allô. Pour un gars, ça fait la première fois de sa vie qu'il y a des tailleurs à clous. Là, c'est vraiment là, la grip, là, c'est incomparable. Là, c'est vraiment débile. Sérieusement, je suis content. On verra. J'en reparlerai plus tard, c'est sûr. Là, mais première impression, là, c'est vraiment grippant. Fait que super content pour ça. Alan, lui, le Père Noël, là, ben, c'est sûr qu'il croit. T'sais, fait que. Mais moi, je paye un cadeau pour Noël, mais je vais aller y acheter tout de suite. Il est au courant, j'y ai dit c'était quoi. Je voulais être sûr que c'était quelque chose qu'il aime. Fait que ça vient de mon cœur, parce que c'est un bon cadeau que je fais à mon petit garçon qui est bon. Il a tout le temps des belles notes à l'école, son bulletin est parfait. Il a des disciplines, les tâches, tu sais, fait que tout l'ensemble de ça, de ce qui s'est passé cette année aussi, je veux le féliciter, là, tu sais. Fait que j'y achète une tablette Samsung, une 8 coeurs, quelque chose comme ça. Fait que ça va être vraiment un beau cadeau pour Alan. Il voulait vraiment ça. Fait que si on a son téléphone qui s'est payé, là, un petit téléphone bien basique, il n'y a pas de ligne à rien. Mais là, on voit qu'il est tout craqué. Fait qu'il joue avec ça. Puis c'est pas un effet rien, là. Il est vraiment tout brisé. Fait qu'on va remédier à ça, Alan! Oui! Oh, mais joyeux Noël, mon petit Alan! Ça, c'est pour toi. Oui. On va t'acheter une carte SD, évidemment, là, en conséquence. Là. Mais c'est ça. Tiens, mon beau petit Alan. Papa, il t'aime. Tu le mérites, petit gars. Joyeux Noël! Tu es content? Oui. Il est cool, hein? À toi. C'est malade! Un Galaxy, Galaxy Tab. Ben là, c'est marqué A ici. Il y en aurait du ruban. Là. Tab A. Ah. C'est à toi. Oh, ton merci. Cadeau de Noël à l'avance, tu le mérites. Ton cellulaire, ouf, on n'en parlera pas. Ouais. Es-tu content? Oui. Ouais. Ah, allez, allez, développe ça, on a hâte de voir ça. C'est fou! Hey, moi, je joue de même, je veux pas la scraper.
Malade, elle est grande! C'est fou, hein? Oh my god, je vais être content avec ça! Tintintintin, ça va aller bien! C'est fou, hein? C'est fou! Jouer au jeu avec ça va être fou, débile! Oui. Mon petit test, voir ça marche. Wow! Galaxy Android. C'est malade! C'est gros l'écran, c'est beau! C'est malade! Et oui, on est au Lee Valley, mais cette fois-là à Laval, on vient acheter le cadeau de Noël à Mickey. Des outils pour sculpter, en fait, des petits couteaux, tout. Fait que ça va être vraiment legit, il veut vraiment ça. Sérieusement, il m'a demandé ça. Fait qu'on va aller checker ça aujourd'hui. C'est nouveau à Laval, en fait. Fait que ça l'a ouvert dans le mois d'octobre, le 3 octobre, je me trompe pas. Fait qu'on va aller voir ça. Quelqu'un qui est passé pour toi aujourd'hui, t'étais pas là. Ça va aller bien? Hey, check, éteins la lumière, Mickey. Juste une petite seconde avant. Ça fait cool, hein? Oui. Quelles sont vos impressions? C'est cool. Puis, j'ai si l'impression tu voulais... que je vais travailler le bois ce soir. Pense. Aïe. Et les joies de l'hiver, ça va, Alan? Oui. Un petit peu de neige. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Bon, la joue d'Alan va un petit peu mieux. Ça fait quoi? 7 jours à peu près? Une semaine? Ouais, une semaine. Bon, fait qu'on est le 18 décembre. Vacances bientôt, Alan? Oui. Yeah! Ah. Ouais, c'est certain. C'est le 21, c'est en bientôt. Ah. 3 jours. Comme vous avez pu remarquer, durant le vlog, il y a eu un gros laps de temps. T'sais, on part, mettons, du mois d'octobre, puis fin octobre, un petit peu avant l'Halloween, j'ai fait de la moto le 4 novembre, ça a été ma dernière ride aussi, soit dit en passant. Je l'avais senti venir, puis là, ben, on est mardi le 18 décembre, puis il est 18h40. Donc, il y a de la neige, il fait froid, puis désolé pour vrai. J'aurais voulu en faire plus, mais je l'ai déjà dit précédemment, il s'est passé plein d'affaires. J'ai des choses à régler, il y a une vie autre que le virtuel. Mes affaires se règlent tranquillement pas vite. Cadeau de Noël pour les enfants, ça va super bien. Mickey est super content, ça a bien été. Alan, il tripe sa tablette bien raide. Je suis quasiment rendu à donner des heures, tu sais, puis à l'âge. Là. Fait que, mais sinon, ils sont super contents du cadeau de Noël. Mais le Père Noël va vous emmener de quoi, c'est sûr, il existe. Fait que Samantha est au chaud. Je vais vous en parler plus tard dans un autre vlog. Je vais en faire d'autres, là. Je passerai pas 2 mois sans faire de vlog. Je vais revenir progressif. Non, je niaise, mais je vais revenir bientôt. Ce sera pas trop long. Je planifie d'autres idées déjà, juste pour vous le dire. Mes lumières blanches, ils vont super bien. Les wipers vont super bien, sérieux. Les Reflex Platinum, je le regarde pas pantoute. C'est un petit peu cher, par exemple, pour ce que ça vaut. Tu sais, je veux dire... J'en reparlerai, là. Ouais. Mes lumières d'ailes après l'auto, c'est parfait, beau, blanc, pur, comme je disais. Fait que j'attends mes autres. Je sais même pas comment encore, mais je les attends, là, sous peu. Sûrement dans le mois de janvier. Moi, laissez passer les fêtes, là. Mes 4 pneus d'hiver à clous G-Slave, les North Frost 200. Écoute, super bon pneu. En sortant de chez nous, moi, j'ai de la glace dans le driveway. Puis Chantal, avec ses pneus normales d'hiver, ben, elle a glisse. Puis je suis passé tantôt dessus, puis zéro glissement, puis même quand j'accélère, c'est... En tout cas, c'est le fun, fait que c'est plus sécuritaire, je me sens mieux, parce que l'année passée, 125, si ça l'avait arrivé avec mes enfants, j'aurais pas aimé ça.
Sérieusement, je m'en suis bien tiré, j'ai pas paniqué, j'ai lâché le gaz, j'ai repris le volant doucement, tu sais, comme piloter un avion. Là. Fait que ça avait bien été, mais avoir été avec mes enfants, sérieusement, là, je m'aurais senti mal, fait que ça n'arrivera pas. Un gros merci pour votre patience, j'espère que vous avez aimé le vlog que vous venez de voir. On continuait quand même à filmer pendant ce temps-là, tu sais, j'avais des idées, mais je pouvais pas tout le temps. Désolé encore une fois. Le temps des fêtes arrive, on est le 18 décembre, fait que c'est vraiment sous peu. Donc, j'ai d'autres idées de vlog, fait qu'on va tenir au courant, avec des fréquences un petit peu plus rapprochées, sérieusement, là. Comme d'habitude, la drill, partagez, likez. Hey, ça nous fait super chaud au cœur, likez, pour être, quand on voit que le monde participe, là, les commentaires et tout. On aime vraiment ça. Hey, Dunk, c'est joyeux à nous. Allô. On va faire des décorations de Noël bientôt, plus, parce que là, notre sapin est loin d'être fini, sérieusement. On va tout décorer un petit peu mieux. On a commencé un petit peu. Blue, là-bas dans le coin, il y a sa petite maison qui s'est fait décorer aussi. On revenait à liker, fait que partager, ça nous fait toujours plaisir. Oubliez-nous pas. On va se revoir bientôt avant les fêtes, ça c'est sûr et certain. Faites-nous confiance. Jusqu'aux prochaines vidéos, je vous dis... Peace!